Hey yo tout le monde, c'est Python, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Nuketown MME avec la FFAR que j'ai obtenue donc dans le pot de vin la dernière fois, si vous vous souvenez bien. J'ai un petit peu joué avec l'histoire de monter l'arme parce qu'elle pêche sacrément en tir long shoot et moyenne portée. Du coup voilà, j'ai un petit peu monté l'arme, comme ça j'ai un petit peu ce qu'il faut pour contrer ces 2-3 défauts. On est dans une partie commencée mais elle vient tout juste de commencer donc... pas de soucis là-dessus. On va essayer en tout cas de faire de jolies choses. Tiens, en voilà déjà de 1. En voilà de 2. En voilà de 3. Voilà, c'est bien. Bon, je vais arrêter de faire le mec qui compte tous ses kills. Mais en tout cas, non, franchement, l'arme est plutôt sympa. Malheureusement, je n'ai pas pillard. Je n'ai pas de chargeur grande cap. Je n'ai pas de chargeur rapide. Ce qui fait que l'arme... Eh bien, voilà, c'est dommage, parce qu'il y a de quoi s'amuser avec, et 90 balles, ça part hyper, hyper, mais super vite avec cette arme-là. C'est franchement, c'est affolant, c'est complètement affolant la vitesse à laquelle partent toutes les balles. Mais en plus, ce qui est con, hein, c'est franchement, l'arme, elle est puissante, elle est vraiment puissante. Mais voilà, j'ai pas assez de balles, j'ai pas pillard sur ce prestige encore, malheureusement. Et du coup, bah, ça pêche très vite. Oh, oh putain, il y avait la triple feed. Loupé, même une quadruple qui aurait pu être bien sympa à se faire, mais que j'ai foiré comme un gros boulet. Hop, on va repasser par là, milieu. Hop, on regarde à droite, tiens mec, tiens mec. Viens, montre-toi, montre-toi, tu veux pas? Bon, c'est pas grave, j'en ai eu un autre. Je confirme. Ouf, oh bah je sais pas qui l'a eu, mais tu m'as sauvé la vie, je crois. Ouais, je crois bien que tu m'as sauvé. Putain. Oh non. Je l'ai même pas vu. Je l'ai pas vu, les mecs. Mais c'est honteux. C'est... Oh oh. C'est pas bien, ça. Ça, c'est... Là, vous avez le droit de dire le bigleux, hein. Bon, vous voyez quand même que la FFAR, elle fait vraiment le taf qu'il faut, hein. Voilà, clairement. Même en long shoot, bon. En long shoot, j'ai mis un silencieux. Malgré ça, j'arrive à m'en sortir. Mais voilà, à très long shoot, ça commence à être un petit peu cata, surtout quand on vous tire dessus. Elle perd très vite sa précision, très vite sa puissance de feu. Là, j'ai fait une connerie, là. Clairement, je le sais. Ouais, je le sais, je le savais. Je le savais que j'avais fait la connerie d'aller là-bas. Bon, c'est pas grave, écoutez. En tout cas, on va... Ok, ils sont morts, je sais pas comment, mais ils sont morts. Ah, je vois rien. Ah, il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu. Au secours, il m'a eu. Bon, on va se ressaisir, ce serait peut-être pas trop mal parce que là, ça... Oh merde. Non, putain, je pensais l'avoir tué. Quel con, j'ai rechargé. Ah, le réflexe, le mauvais... C'est un mauvais réflexe, en fait, hein, pour tous les joueurs Call of, de recharger en croyant qu'on a tué quelqu'un. Alors, je sais pas si ça vous le fait, hein. Mais moi, c'est vrai qu'avec certaines armes, j'ai le chic de recharger alors que j'ai pas tué le mec, quoi. C'est exactement ça et c'est un peu con. C'est un peu con. Bon, clairement, je comprends pas les spawns là. Oh, oh, on va se ressaisir parce que là, je fais que de mourir, bordel. Ça me plaît pas. Voilà, on reprend. On va voir faire le compteur, hein. Peut-être que ça marche qu'en faisant le compteur. Ouf. Oh, oh, toi, tu m'as refait la coupe de cheveux. Hein. Putain. Ah, c'est sûr, tu me l'as refaite la coupe. Hop, normalement il y en a un en bas. Il y en a pas un en bas? Putain, j'étais persuadé. Là, je suis dans leur spawn en plus, hein. Voilà. Ouais, eh, franchement, on a joué un peu la salope, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, on a vraiment pas joué propre. Ah, dommage, bon, fallait bien que ça m'arrive d'un autre côté. On est en train de perdre? Mais putain! Pourtant, je fais une bonne game, je comprends pas là. Je comprends pas. Ou c'est pas bon ça. Cerberus, il est à nous peut-être. Ah merde, je l'ai pas vu, il était où? Ah, tu étais là-haut, petit. D'un autre côté, t'as vu le spawn? S'il te plaît, quoi. On spawn à côté de tout le monde. Ça va 5 minutes le spawn à côté de tout le monde. Moi, je suis pas pour. Oh merde, un lien. Ah, l'hélico, il va piquer. Hein. L'hélico, il va piquer, surtout que je l'ai pas équipé de manière à... Ah, t'es pas là, campeur? Putain, j'ai cru.
Il va nous faire mal. On a personne qui a un bazooka dans l'équipe là. Putain, pourquoi moi quand je lance... Voilà, quand je lance ce genre de truc, tout le monde a un bazooka en face. Mais quand c'est moi qui... Ah, mais quand c'est l'équipe ennemie qui l'a, j'ai personne dans mon équipe qui a un lance-patate, quoi. Oh là 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 là. Et voilà, et ça arrache kit dans l'équipe, putain. Oh, fait chier. Ah, oh, ça fait chier. Fait chier de merde, quoi. La partie commençait super bien. Et ça termine super pas bien. Oh là 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 là. Ah, c'est critique, hein. C'est critique, les amis. Ah, c'est dommage. Franchement, quel dommage. Bon, je pense qu'on va s'en refaire une. Moi, il me l'a mis en même pas une balle, hein. Clairement, on va s'en refaire une. En espérant cette fois-ci y arriver. Voilà, bah en tout cas, hein, c'est dommage parce que le début de game était vraiment sympa. Et après, c'est parti en couille. En couille totale. Hein, très clairement, j'ai pris très cher. Ils ont lancé l'hélico, ils se sont fait plaisir. 6, 17, 13, 15, 15, 19, 19, 21. Ouais, en fait, j'ai pas eu d'assistance quoi dans l'équipe. C'est toujours le même problème dans ce jeu. C'est un truc que je comprends pas. Pourquoi je suis toujours avec des noobies, hein, qui ne savent pas jouer, ou des mecs qui ne jouent pas. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais le mec, il est là, hein, il spawn, mais il joue pas. Je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, tiens, je vais bouffer KFC. Je sais pas, mais c'est vraiment un gros problème sur ce jeu. Je trouve que plus que tous les autres, alors ça a toujours arrivé, hein, des mecs qui jouent pas, mais non seulement je tombe toujours avec des équipes de merde, hein. Très clairement, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, mais si personnellement je fais pas de kill, enfin très souvent ça m'arrive de faire des parties de merde, mais si je fais pas de kill, j'ai l'impression qu'on va perdre, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce jeu là-dessus, c'est vraiment choquant, quoi. C'est vraiment choquant. Bon, allez, on s'en refait une. On va revoter Nuketown parce que ça m'a manqué. On n'a pas assez joué dessus. J'ai envie de l'exploser. Tiens, on va regarder le classement du salon. Ouais, je suis pourtant bien. Ouais, je suis bien classé quand même. 308. Bon, lui est un peu plus puissant que moi, 327. Mais voilà, 75. Bon, tu viens de débuter, mais voilà, 139, 156. Je comprends pas ces gens qui ne jouent pas ou qui nous mettent vraiment... On nous met avec des merdes, quoi. Je suis sûr que ça vous arrive à vous aussi, parce que tous mes potes, c'est ça aussi. La plupart du temps, s'ils sont pas dans l'équipe, bah, l'équipe, elle perd. Et c'est vraiment choquant, quoi. Tu te dis, putain... Enfin bon, bref, Nuketown, et allez, c'est parti. Bon, allez, c'est reparti pour Nuketown. J'espère que cette fois-ci... Bon, j'ai les deux nopes avec nous, ceux qui nous ont mis l'hélico tout à l'heure, hein, sur la partie d'avant. J'espère que cette fois, je vais tomber avec les coéquipiers qu'il faut, parce que franchement, j'ai quand même plutôt bien géré le début de game. Après, c'est sûr que voilà, si t'as pas l'équipe, bon, bah, à un moment donné, t'as beau avoir le shoot, t'as beau avoir le skill, si t'as un hélico, des bombardements, et puis t'as aucune équipe avec toi, bon, bah, clairement, ça sert à rien. Le shoot, le skill, à un moment donné, ça va 5 minutes, mais il sert plus à grand chose. Donc, bon, j'espère vraiment tomber avec les coéquipiers qu'il faut. Ah, dommage. Dommage. Je les ai pas vus arriver de droite. Bon, j'ai fait un petit move sympa. Toi, tu vas arrêter de me gêner, s'il te plaît. Merci. Voilà, t'es mort. Bon, voilà, un 10 balles pour tuer un mec. Encore, j'avais tout dessus. C'est là où le jeu a tendance à pêcher, comme je le disais. Malheureusement. Ah là 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 là. Oh, oh, j'ai un mec. Ouf. Statue mondiale. Ah, merde, là-haut. Je l'ai regardé en plus, hein, mais ouais, j'ai pas eu le shoot qu'il faut, malheureusement. Malheureusement. C'est pas passé loin, celle-là. Ouais, c'est bien, t'as essayé droite, c'est parfait, je t'aime. Oh, je l'ai pas vu arriver, le boulet. Le boulet. Et non, hein, je crois que l'équipe a l'air bien déterminée à recamper. Ah, c'est pas possible, bon, on est en train de gagner. Je vais pas me plaindre, on gagne. Mais elle est morte, la voiture. Pourquoi tu tires dessus? Ouais, ok. Ok. Oh, la petite double. Je pensais pas me faire une double. Pas à cet endroit-là. Spawn inversé. Eh ouais, les mecs. Il faut regarder votre carte un petit peu. Vous verrez que ça vous aide bien plus que vous ne pouvez le croire. Merde, j'ai pris peur. Ouf, il m'a fait peur. Oh la vache. Ah, oh, dommage. Dommage. Mon 10-5, c'est pas terrible, mais bon, c'est mieux que 0-22 ou des trucs du genre. Oh bah, je l'ai eu à travers.
Ok. Oh, le mec, il a un truc de puceau. Ah, bah ouais, voilà. Et le mec, c'est qu'il se fait la double, hein. Il se fait la double, petit enculé avec son réanime. Les deux abattus. Oh, merde. Ouais, 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 c'est bon, ça passe, demi-tour, rechargement. Ok, t'es arrivé d'où, toi? Ah, ok, t'es arrivé de l'autre côté, je t'avais pas vu, excuse-moi. Excuse-moi, t'es pardonné, mon amour. Ah, ouais, ouais. Tu l'as eu, bien joué. C'est ça que c'est bon, c'est ça qu'on aime voir. Toi, c'est bon, tu vas pas nous la faire 20 fois, hein, ton coup de je meurs anime. Ça casse les coucougnettes au bout d'un moment. Oh, je l'ai eu! Le shoot in extremiste. On va, écoutez, on va essayer de pousser. Ah, merde. L'autre qui campe là-haut, mais... C'est vraiment, c'est choquant. Hein. Quand c'est pas tes équipes, tes équipiers qui merdent, c'est les équipes d'en face. En gros, je trouve que tu trouves plus, malheureusement, de parties potables à 100% sur Call of. Sur n'importe quel jeu, hein, je prends tout Call of confondu. C'est vrai que bah, t'as un petit peu du mal, franchement, à te faire plaisir de A à Z. T'as toujours un moment donné où tu vas finir par rager. Parce que ton équipe a décidé de la jouer pas propre, quoi. Ouh, je t'ai eu! Je t'ai eu! Eh oui! Python, il t'a eu! Ah, toi aussi, on t'a eu. On t'a eu d'en haut. Vas-y, passe devant. Fais-moi la part. Je passerai derrière. Ah non? Ok, bon bah, y'a pas de soucis. Ça marche aussi comme ça. Ouh, toi, t'as failli me la mettre. Tu m'as fait peur d'ailleurs. Par contre, spawn. Spawn. Voilà. Spawn, spawn craignos. Il est repassé en haut. Voilà. On va recharger. Si c'est pas là, c'est là. C'est bon, c'est à nous. Ok, c'est bon, j'ai réussi à bloquer notre spawn. J'ai pas le shoot. Il a pas vu. Le mec, il a pas vu qu'il avait. Comment dire, le spécialiste qui te réanime. C'est con parce que. Voilà, ça c'est pour vous deux. Il fallait pas camper. J'aime pas ça. Merde, je l'ai pas eu au fond. J'étais persuadé de l'avoir eu, mais non. L'arme pêche à distance, hein. Surtout que j'ai mis un silencieux, du coup j'ai encore moins de portée, donc je perds très vite ma puissance sur le jeu, malheureusement. Enfin, ma puissance sur le long shoot, je la perds très très vite avec cette arme. Mais bon, vous voyez quand même qu'on a de quoi se faire plaisir. C'est plutôt agréable malgré tout. Hop, on va aller là. Il y a un mec. Oh, ouais, je l'ai pas eu. J'avais plus beaucoup de vie, c'est dommage. Dommage, dommage, j'ai fait deux rafales de merde là. Ah! Le coup de pied de biche, allez, hop là. Lui il m'a dit dégage, tu fais chier. Bon, vous allez y arriver à 3 sur le même mec? Oh! Au secours, ce qu'il nous a mis! Décidément, ils vont nous bloquer le spawn tout le temps, quoi. Oh non, non, non. Oh la honte. Oh le shoot de merde à la fin. Bon, voilà. J'ai eu les coéquipiers avec moi. J'ai eu tout ce qu'il fallait. Là, c'était franchement mieux. Bon, je fais quasiment autant de kills que la partie d'avant. J'ai un peu moins géré vers la fin. En tout cas... Néanmoins, j'espère que cette petite, ces deux petites parties vous auront plu. Sur Black Ops 3, j'ai fait du 25-16, la partie d'avant du 24-15, il me semble, quelque chose du genre. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que cette arme vous fait plaisir. En tout cas, elle est vraiment sympa à jouer, malgré que à distance, les dégâts, ça pêche un petit peu. Quant à moi, je vous souhaite en tout cas bon jeu, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye les gens.